Le mec veut un scoop sur engrenage à Cabourg. Je ne peux pas parler d'engrenage, je suis sur le festival du film romantique de Cabourg. On est d'accord que c'est la dernière Je ne peux pas parler d'engrenage, je suis sur le festival du film romantique de Cabourg. Ouais. Mais apparemment, c'est ce qui se dit, je n'ai pas les confirmations, je ne sais pas. Et on peut discuter de savoir quoi ça va être cette saison ? Ouais, bien sûr, ça va traiter de l'immigration des mineurs dans le quartier de la Chapelle. Des enfants, ouais, des enfants, des mineurs, non, pas des mecs, non. Non, ça va traiter des enfants sans papier dans le quartier du 18e arrondissement. J'ai lu là les 5 premiers épisodes. Et on est vraiment sur un truc où vraiment j'ai pris une grosse claque en lisant ça. Il y a beaucoup de choses inspirées de faits réels. Et tout le monde a hyper envie de la faire cette saison parce que pour le coup, c'est la première année où on arrive à enchaîner 2 saisons aussi rapidement. La première année. Alors moi je suis arrivé en saison 7, mais les autres, moi on dirait que ça fait 20 ans que je suis dessus alors que je suis arrivé l'année dernière. Mais c'est vrai qu'Engrenage c'est une série française qui met 2 ans pour produire une saison. Et là ils l'ont poussé, ils ont réussi. Alors ça sera pas 12 épisodes, ça sera 10, ça c'est une exclu. Waouh. Et voilà, donc c'est un truc de fou. Vraiment. Arriver ton personnage a amené un nouveau souffle. C'est gentil. Mais c'est comme ça, je crois qu'ils l'ont écrit. Après, c'est vrai que le but, c'était de remettre un coup de peps sans trop s'attarder sur le fait de d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ici, etc. Et je suis hyper content. Alors, il fallait quand même qu'il prenne ses marques. Mais la saison dernière... ils ont vraiment tout fait, ils ont vraiment fait en sorte que je me sente bien, et même dans l'écriture, dans l'évolution, dans l'accueil des acteurs, c'était un vrai truc, c'est une série incroyable, vraiment, les gens m'arrêtent beaucoup dans les prisons surtout. Non mais on a tourné en prison et c'est fou parce que... ils adorent cette série, c'est leur série préférée, et les flics aussi. Et c'est extraordinaire parce que cette série elle a été vraiment faite pour être collée au plus près du réel. Et pour le coup, les personnes concernées, les flics, les avocats, les voyous, les victimes aussi, sont hyper hyper touchées et ils pensent vraiment que c'est une série qui est dans le réel, dans un vrai réalisme et c'est hyper rare de nos jours parce que c'est notre mot très difficile que je voulais utiliser, édulcorer, mais je vais l'utiliser et on le fait pas, on est vraiment c'est brut, c'est violent, c'est sale et on prend un plaisir à le faire. C'est très dur, c'est très long à faire. Là, on en a pour encore 7 mois de tournage. Mais ça vaut vraiment la peine vu le résultat. J'ai tourné, moi c'était ma première saison l'année dernière. Eux, ça fait 14 ans qu'ils sont dessus. J'ai fait une saison et je peux dire que c'est éreintant. Parce que on tourne pratiquement dans les... Enfin, on tourne tout le temps dans les vrais décors, dans les vraies conditions, dans des vraies nuits, dans des vrais froids, toujours à la limite du légal. C'est-à-dire que forcément, on a des plans, on vole des plans, on flirte aussi avec le danger dans le sens où on tourne dans des quartiers où il y a un trafic, où il y a des surveillances policières, donc on arrive avec tout notre matos, on met les gyrophares, et donc ça c'est un peu relou, mais on est souvent hyper bien accueillis, et puis
quand j'en parlais avec Thierry ou avec Caroline, je leur disais, putain, moi j'étais hyper content et tout. Ils me disaient, attends, t'inquiète pas. Prends ta respiration, t'en as encore pour 7 mois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais épuisé. Mais c'est une vraie belle fatigue parce qu'on est, on est conscient de ce qu'on est en train de faire, parce que quand on regarde les images au combo, quand on en parle, quand ils vont voir les rushs, on sait qu'on tient un vrai truc vraiment extraordinaire. Et je comprends qu'ils aient voulu faire autant de saisons parce que c'est un vrai truc de fou.